Allez, présentation des hommes 19-29. Pour le club de Saint-Jean-d'Angély, plaque numéro 17, Joshua Brunner. Pour le club de Niort, plaque numéro 50, Lester Boidet. Également du club de Niort, plaque numéro 60, Joshua Burer. Pour le club de Effre, plaque numéro 84, Mathias Odino. Pour le club de Savenay, plaque 08, Raphaël Chevalier. Pour le club de Saint-Jean-d'Angély, plaque numéro 71, il fait son retour aujourd'hui, Hugo Adair. Et également du club de Saint-Jean-d'Angély, plaque numéro 55, Mathieu Allard. Et enfin, on en termine avec le club de Fontenay-le-Comte, la plaque numéro 38, Monsieur François Dubois. Ah, Brunet Joshua, on a également eu Hugo Adé, BC Boinet Lester, le pilote de Niort, eh bien, qui a pris l'avantage. Attention à Dubois François, le pilote de Fontenay-le-Comte, eh bien, qui n'a pas dit son dernier mot dans cette deuxième ligne droite, alors que le pilote de Niort, eh bien, a pris une légère avance déjà dans cette deuxième ligne droite. Il ne va pas falloir commettre d'erreur maintenant jusqu'à l'arrivée, alors que la deuxième position, c'est bien toujours Dubois François. La troisième place, eh bien, il est de retour aujourd'hui sur les pistes. Hugo Adé, eh bien, qui va aller chercher une troisième place dans cette finale chez les hommes 19-29 devant Mathias Solino pour le club de Effre.